Et salut les amis, c'est Flamme et bienvenue sur la chaîne Les Petits Phénix. On se retrouve pour un nouveau gameplay découvert sur The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. J'avais j'étais très impatient pour vous présenter ce jeu car je suis un très très grand fan des Zelda. Ils nous ressortent un format 2D comme la Zelda Link's Awakening qu'on avait connu sur Nintendo Switch où j'avais fait le let's play en entier, j'avais fait toute l'histoire complète hein. Et là on est parti sur un gameplay découverte sur ce Zelda Echoes of Wisdom, donc très très heureux de vous retrouver. On va pouvoir découvrir tout cela ensemble. Il y a également un jeu concours que j'ai lancé pour gagner le fameux jeu de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom que j'annoncerai vers la fin de cette vidéo. Donc il y aura un gagnant pour ceux qui ont participé au jeu concours Instagram que j'ai lancé sur l'Instagram @lespetitsphénix hein. Donc j'ai déjà le gagnant que j'annoncerai tout à l'heure. Donc le ou la gagnant, tu auras effectivement ton jeu Nintendo Switch The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Et puis j'espère qu'on va avoir une belle découverte sur ce Zelda. Donc il est sorti effectivement le 26 septembre 2024. Donc un nouveau Zelda pour 2024. Et là on voit qu'on commence avec une petite intro bien sympathique où on est avec le fameux Link hein, juste avec nous. Donc apparemment on est équipé de l'épée, du bouclier, on aurait des bombes, on a tous nos cœurs. Donc là on va commencer ce gameplay découverte et il faut donner un coup d'épée. Ok, donc ça a l'air bien sympathique hein. Ça rappelle vraiment l'esprit du Zelda Link's Awakening hein, au niveau gameplay pour le moment. On est un peu sur la même chose. C'est vrai que je suis familiarisé déjà, parce que j'appuie sur B, ça saute également. On peut couper les petites feuilles. Je peux lancer des flèches apparemment. Ok, si on met une bombe. Hop, bomba. Et bim. Ok. En tout cas, le jeu est très très fluide, hein, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer lors de ce gameplay découverte? C'est parti. Ce qui est intéressant, ils ont fait un mélange de Link qu'on avait connu sur Link's Awakening avec la tenue, la tunique verte. Hein. Et ils ont mis aussi un petit clin d'œil avec la capuche comme vous pouvez voir. La capuche et la petite cape hein, qui rappelle un peu Zelda Tears on the Kingdom ou Breath of the Wild. Ça rappelle un peu cet esprit-là. Sauter, on sent pas de soucis, on sait sauter. En tout cas, il est très propre, hein, il est très fluide. Alors là, il y a du vide, on peut pas passer, on va aller à droite, allons-y. Donc apparemment, l'épée qu'on a, on a l'épée de légende, hein, je pense que c'est l'épée de légende qu'on a actuellement. Si je maintiens B, on a toujours l'attaque circulaire, ouais, ok, t'as pas changé. Ah, premier ennemi, levé de bouclier. Haha, à moi. Ils ont mis un petit slash pour prévenir. Ok. Impeccable. On dirait qu'on a fait ça toute notre vie, les amis. Donc je compte sur vous, hein, pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher aussi les petits pouces bleus. Et si vous voulez rien louper des gameplays que je propose régulièrement, ainsi que les ouvertures de boosters Pokémon, et ben activez la cloche surtout, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne. Les petits phénix, n'hésitez hein, pas. Est-ce qu'on peut casser les caisses, tiens? Ah, on peut les soulever. Youp. Ok. En tout cas, la prise en main est très simplifiée. Alors, par contre, on peut le cibler. Ok. Oh, c'est pas mal ça. C'est bien, c'est qu'on peut cibler automatiquement les ennemis qui sont dans les airs. On appuie sur X et ça tire une flèche. Et bah continuons, avançons. Allez, on va le viser avec ZL, Spalti. Ah, ça c'est pas mal, j'aime bien. Ouais, en plus c'est très réactif, très dynamique, impeccable. Est-ce que je peux monter là-dessus? Ouais. On dirait qu'on a une forme d'escalier, allons-y. Je pense qu'on doit passer par là. Alors c'est marrant, c'est que direct on sait où aller. On n'est pas dépaysé. Donc ça c'est plutôt cool. Oh
Ok. Raté. À moi. Oh, il est résistant, le petit père. Il est résistant, il est résistant. Ok. Donc là, pour moi, rien de compliqué. Je pense qu'on est sur l'intro du jeu. Ouh là là, les amis, ça devient de plus en plus sombre. Ok, c'est pas ça. Wow, il fait peur, lui. Oh là là. Il a des épaules, mon pote. Mais un coup d'épaule, t'es éjecté. Encore toi. Tu es toujours aussi obstiné. Enfin. Cette fois, il se trouve que ça m'arrange. Je vais me débarrasser de vous deux en même temps. Ouais, enlever la cape, attention. Ah, on la pose vraiment? Ah, raté. Ok. Tiens, prends ça, mon pote. C'est cadeau. Raté. Esquive. Est-ce qu'on peut le renvoyer, ça, vous croyez? Ouais. Aïe. Ça fait mal. Ok. En tout cas, on commence avec une très bonne intro, les amis. C'est pas mal, c'est dynamique. J'adore. Raté. Ok. T'es soufflé, mon pote? Faut faire du cardio, hein, mon gars. T'es essoufflé. Ok, Link a été absorbé, je ne sais où. Et là, apparemment, on a Zelda qui est au rendez-vous. On vous tapez sur le cristal, on tape. Alors, on dirait un autre univers, là, je sais pas qu'est-ce qu'il en est. Je pense qu'on va se diriger vers la cape. Vous avez obtenu la capuche de l'épéiste. Ok. Cette capuche laissée par l'épéiste tout de vert vêtu peut dissimuler votre visage quand vous la portez. Ok. Trop bien. Oula. Impression que le trou s'agrandit. Ah, faut courir. Bah. Oh là 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 là. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc apparemment la nouveauté de ce Zelda Echo of Wisdom, c'est qu'on va jouer tout au long de l'aventure. Oh là là. Zelda qui est juste là, mais on va se faire bouffer. J'ai l'impression. On saute. Oh là 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 là. Donc c'est vrai que c'est une grande. Ah. C'est vrai que c'est une grande première hein, pour les Zelda qu'on joue la princesse. Donc on a eu tous eu l'habitude en tant que fan de jouer Link. Hein. Oh là 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 là.
pour moi, j'ai juste la touche B pour sauter. Et on dirait que tout se fait absorber. C'est chaud. Faut peut-être pas y toucher, je dirais. Ah, sympa, on a un petit aperçu, je dirais, de la map, hein, de l'environnement où on va pouvoir jouer, se familiariser avec notre princesse favori, Zelda. Ok, 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 je dis oui. The Legend of Zelda, Echo of Wisdom. Je pense qu'on va s'éclater, les amis. Oula, les soldats. Donc il est vrai, ayant l'habitude de jouer Link, hein, sur les opus précédents, là on va jouer Zelda, donc c'est vrai que c'est un peu perturbant effectivement. J'ai toujours eu l'habitude de jouer Link et on va voir ce que ça donne de jouer la princesse. C'est vraiment une grande première, hein, que nous propose ce Zelda sur Nintendo Switch. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. L'idée se soit louée, vous êtes en vie. Vous n'êtes pas blessé. Ces 7 jours où vous avez été enlevé ont été un véritable cauchemar pour nous. Les soldats vous ont cherché jour et nuit sans succès. Nous craignons que vous soyez volatilisé. Princesse, princesse, tu veux bien jouer avec moi, dis. Il y a une énorme faille ici, mais le principal c'est que vous soyez revenu. Votre Altesse, permettez-moi de vous souhaiter un bon retour parmi nous, moi aussi. Puis-je vous suggérer de vous rendre sans délai auprès de Sa Majesté, le Roi d'Hyrule ? Il sera sans nul doute ravi d'apprendre que vous êtes revenu saine et sauve. Donc là, on est dans la citadelle d'Hyrule, d'accord. On voit tous les villageois. Ah, il y a un petit peu de latence apparemment, comme vous pouvez le voir. Au niveau de l'image par seconde, c'est directement lié au jeu. Il y a des petites pertes d'image, ok. Bon, petit défaut, bon. Rien de bien méchant. Sur du 2D, c'est pas vraiment gênant. Ah, t'es un jeu en 3D avec des bonnes finitions. Bonne résolution, je dis pas, mais là, bon. Alors, on va faire un petit peu le tour du propriétaire avec, effectivement, on voit différentes maisons, différents villageois. Ok. On va checker la première maison. Tiens, allons-y. Qu'est-ce qu'on a dans cette maison ? Une dame âgée. Bonjour madame. Ah, quel bonheur de vous revoir ici saine et sauve. Votre enlèvement a mis les nerfs de dame Impa à rude épreuve. Elle est sûrement au château à l'heure qu'il est. Allez vite lui rendre visite pour la réconforter. Ok. Est-ce qu'on peut casser les pots comme ça? Ouais. Et un rubis. Vous avez obtenu un rubis, le début de la fortune. Donc on aura toujours le système de rubis apparemment. Ok. Je vois qu'en haut à gauche on a également nos trois cœurs, hein. Je pense qu'on va rester sur le même principe, on pourra les faire évoluer au fur et à mesure de l'aventure, hein, pour gagner des quarts de cœur, des cœurs complets, je pense, avec des boss. Aïe aïe aïe, une faille s'est ouverte en plein milieu de la citadelle. C'est une brèche béante et obscure. Bleh. Je me demande ce que ça ferait de se faire engloutir par ce truc. Ok. Allez, deuxième maison. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, fait des grands yeux, ça fait peur. Votre Altesse, vous êtes saine et sauf et c'est merveilleux. Si vous saviez, la ville entière était à votre recherche du matin jusqu'au soir. Oh, je suis tellement heureuse qu'on vous ait retrouvé. Donc c'est vrai, là on a l'effet inversé. Cette fois c'est apparemment Zelda qui va sauver Link. Tiens, on a une faille apparemment. Et si on s'approche, ça fait quoi? Et ça nous bloque, d'accord. Votre Altesse, quel malheur! Regardez dans quel état est notre précieuse maison. On ne peut même plus entrer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ok. Allez, on va continuer à avancer. Je pense qu'on va se diriger au niveau du roi d'Hyrule, hein.
je pense qu'on rentre dans la citadelle. Allons-y. En tout cas, déjà, on est sur une très bonne intro. Rien à dire. C'est vraiment cool. Nouvel environnement et tout, nouveau décor. C'est quand même très, très plaisant. Alors, comme je suis toujours un peu curieux, je vais me regarder sur les côtés s'il n'y a pas des choses. Allez, on casse des pots. J'adore casser des pots. Oula, le soldat, il m'a regardé, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Eh, je suis la princesse, je fais ce que je veux. Attention, on va voir s'il me regarde. Tiens, regarde, je refais. Donc on peut sauter avec B, hein. Mode kangourou, là. C'est assez drôle, d'ailleurs. Down, down. Ok. Alors, je me demande pas si c'est Impa, ça. Damager comme ça, c'est... Il se peut que ce soit elle. Votre Altesse, je suis heureuse de vous voir de retour. Moi, Impa, votre dévouée servante, je n'ai jamais autant maudit mon impuissance qu'après votre enlèvement. Des failles se sont ouvertes ça et là, et l'inquiétude a gagné la citadelle. Mais je suis certaine que votre retour mettra du baume au cœur de la population. J'avoue néanmoins que même si je n'ai jamais douté de votre adresse, je ne pensais pas que vous reviendrez par vos propres moyens. Oh, pardonnez-moi, je suis si heureuse de votre retour que ces mots m'ont échappé. Hâtez-vous, Sa Majesté le Roi d'Hyrule vous attend. De mon côté, je vais vous faire couler un bon bain chaud. Oh, un petit bon bain chaud, ça doit être trop bien ça. Ah, on va voir le Roi d'Hyrule, qui a l'air inquiet d'ailleurs. Oh, que c'est pas ça? Votre Altesse, vous êtes vivante, Général Dex. Une grosse voix, lui. Votre Altesse, vous n'imaginez pas à quel point votre retour nous emplit tous de joie. Donc ça, c'est la ministre Sénès. Ok. Toutefois, j'ai si honte que nous n'ayons rien pu faire pour vous retrouver après votre enlèvement. La ministre Sénès a raison. Nous sommes profondément désolés de ne pas avoir pu vous porter secours. Général Dex, ministre Sénès. En tant que père, je suis touché par votre sollicitude. Mais pour l'heure, réjouissons-nous du retour de ma fille. Ma chère Zelda, je vous félicite d'être revenue parmi nous. Approchez-vous que je puisse admirer votre visage. Ah, je suis si soulagée, c'est bien vous. Vous êtes saine et sauve. Mais dites-nous, Zelda, que vous est-il arrivé? Vous avez été emprisonné par un monstre bleu jusqu'à ce qu'un épéiste vêtu d'un habit vert vienne à votre secours. Mais après avoir vaincu le monstre, l'épéiste a été englouti dans une faille. Cet épéiste vous a donc sauvé la vie. S'il s'est fait engloutir par la faille, nous n'avons d'autre choix que de le considérer comme volatilisé lui aussi. En effet, j'espère qu'il est toujours en vie. Volatilisé, vous voulez dire, comme tous ces pauvres gens qui ont disparu à travers le royaume? Tout à fait. Le phénomène n'épargne aucune région de notre beau pays. Depuis fort longtemps déjà, des failles s'ouvrent dans le royaume et emportent de jeunes enfants. D'accord? Nous tâchons bien sûr de nous en prémunir, mais lorsque cela arrive, nous disons d'eux qu'ils se sont volatilisés. C'est ceux qui ont perdu des êtres chers n'ont alors que leurs yeux pour pleurer. Malheureusement, ces derniers temps, les cas de volatilisation se sont multipliés partout dans le royaume. De plus, les victimes ne sont plus seulement des enfants, beaucoup d'adultes se volatilisent aussi. Ok, donc ça touche vraiment toute la populace d'Hyrule, hein. Toute la population d'Hyrule. Quelle peut bien en être la cause? Quelle qu'elle soit, nous devons impérativement retrouver cet épéiste vêtu de vert et le plus tôt sera le mieux. Oh, Votre Majesté! Ha. Qu'y a-t-il? Vite, parle! Ha. C'est terrible. Nous avons reçu des rapports d'incidents causés par des failles dans plusieurs endroits. Comment? Saurais-tu nous en dire davantage? Oui, Votre Majesté. Ah ouais, c'est chaud. Ok.
oula, carrément des monstres en mode bubble. Il y aurait de la gélatine, les amis. Quelqu'un aurait disparu après avoir été englouti par une faille du côté du village d'Uzud. Et on nous a aussi rapporté que des monstres noirs attaquaient les passants sur la plaine d'Hyrule. Voilà qui est terrible. Merci pour ce rapport. Va dire à tous les soldats de se préparer au départ. À vos ordres. Non. Général Dex, ministre Sénès, votre majesté. Ministre Sénès, continuez d'enquêter au sujet des failles. Trouvez un moyen de venir en aide aux malheureux qui se sont fait engloutir. Tout de suite, votre majesté. Général Dex, occupez-vous des monstres. Préparez-vous à mener les troupes au combat. À vos ordres. Notre royaume est en crise. Je compte sur vous pour faire toute la lumière sur ces failles et pour retrouver nos sujets disparus. Oh oh. Le siège du roi, carrément. Ah ouais, c'est encore pire que ce que je pensais. Garde. Jetez-la au cachot. La princesse, au cachot. C'est ma fille Zelda qui a ouvert cette faille. Nous ne pouvons pas laisser en liberté la dépositaire d'un aussi dangereux pouvoir. Ah, on va de surprise en surprise, les amis. Ok. J'ai moi-même du mal à y croire, mais le général Dex et la ministre Sénès ici présents peuvent témoigner de sa culpabilité. Non. Ne restez pas planté là. Dépêchez-vous de l'emprisonner. Ah, à vos ordres. Ok. La situation est critique, les amis. Pourquoi devons-nous enfermer son Altesse? Qu'est-ce que sa Majesté peut bien avoir en tête? Tu n'es pas au courant? Apparemment, ce serait la princesse qui aurait ouvert la faille dans la salle du trône. Quoi? Tu plaisantes? Mais alors, est-ce que elle est aussi responsable des autres failles qui s'ouvrent un peu partout? Il paraît qu'elles ne disparaîtront pas tant que la princesse est en vie. Sa Majesté envisagerait même de la faire exécuter pour protéger le royaume. Ah ouais, on va loin au niveau scénario là, les amis. Ça commence fort sur les premières minutes là qu'on fait sur ce gameplay. Oulala. Je n'arrive pas à croire que son Altesse ait pu faire une chose pareille. Eh ben, on est dans de beaux draps. On est dans de beaux draps. Bon, bah, je pense qu'il va falloir sortir d'ici, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ok, c'est pas ça. Ok. Tu peux me voir? Je m'appelle Tri. Je suis pas sûr de dire Try ou Tri. On va dire Tri, ok. Moi aussi, je m'étais fait capturer par ce monstre bleu. Je t'ai observé pendant tout ce temps. Je t'ai également suivi jusqu'à ce château. Oh, mais j'y pense. Je ne connais toujours pas ton nom. Zelda, c'est noté. Tu sais, Zelda, tu cours un grand danger en restant ici. La personne qui t'a fait enfermer, c'est le roi, c'est ça? Eh bien, il a ordonné de préparer ton exécution au plus vite. Dès que j'ai entendu ça, je me suis dit que je devais te prévenir. En fait, le roi et les deux autres ont été engloutis par la faille. Ce que tu as vu en ressortir sont, comment dire, des imposteurs, je vois, c'est ça. Le mot « alors », toi aussi tu t'en étais rendu compte. Zelda, tu ne peux pas rester ici. C'est beaucoup trop dangereux.
Bon, faut pas faire la tête, ça va s'arranger Zelda, t'inquiète, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'on pourra faire éclater la vérité si on arrive à sauver les personnes qui se sont fait engloutir par la faille. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas en ressortir par leurs propres moyens. Il faut qu'on aille les sauver ensemble, Zelda. Mais d'abord, c'est toi qu'il faut sauver. Sortons d'ici. Tu ne peux pas passer à travers les barreaux. Voilà qui est intéressant. Dans ce cas, je vais te prêter mon pouvoir. Oh. On a une baguette magique? C'est trop bien! On dirait le bâton de Gandalf. Vous avez reçu le sceptre de Tri. Ok. Un sceptre mystérieux de la même couleur que Tri, il s'en dégage une douce chaleur. Je peux créer des copies de choses qui se trouvent dans ce monde. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais je suis sûr que ce sceptre te sera utile. Approche-toi de ce qui brille et appuie sur ZR. Alors, il faut trouver quelque chose qui brille. Attendez, regarde, on a ça. Mémoriser. Donc ZR. Ah ouais, carrément, ça fait une copie de l'objet. Vous avez mémorisé la table. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on mémorise les choses. Tu peux reproduire tout ce que tu as mémorisé en appuyant sur Y. Alors, on va reproduire. Ok. Waouh, tu as réussi. Mes camarades et moi, on appelle la reproduction d'une chose mémorisée un écho. Si tu veux effacer un écho, approche-toi, puis appuie sur ZR. Et pour effacer tous les échos, appuie longuement sur ZR. Donc, en appuyant sur Y, vous pouvez reproduire les choses que vous avez mémorisées avec ZR, d'accord? Le nombre de choses que vous pouvez reproduire dépend du pouvoir de tri disponible, d'accord? Appuyez sur ZR pour faire disparaître quelque chose que vous avez reproduit. Maintenez ZR appuyé pour faire disparaître tout ce que vous avez reproduit. Bon, rien de compliqué. Ok, au fait, on peut faire disparaître sans souci. Donc ça, ouais, je maintiens, c'est pour faire disparaître tous les objets. Alors, si j'en mets partout, par exemple. Ah, c'est jusqu'à 3 maximum. Si je maintiens... Effectivement, ça fait disparaître. Ok, ok. Du coup, il va falloir qu'on sorte d'ici. Alors, je vois qu'il y a une petite impasse, là, sur le côté gauche. On va essayer. Alors, si je fais apparaître un objet là, par exemple. Et si je fais apparaître un objet là. Alors, presque. Ok, ça fonctionne. Génial. Maintenant, tu vas pouvoir t'évader. Allons-y. Donc, du coup, l'idée du gameplay, comme c'est pour ça que je vais découvrir le jeu, on sera vraiment sur de la création pour résoudre des énigmes, passer effectivement des murs comme on a fait là. Donc, vraiment, on va créer, on va faire disparaître des objets. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, là, pour le moment, on a juste une table. Donc, en fait, notre arme, c'est une table. Bah, écoutez, pourquoi pas. Eh ben c'est parti, allons-y. On va essayer de découvrir tout ça. Et je vais à gauche, je vais à droite, je sais pas. Bon, on va peut-être aller à gauche. Et on arrive sur les premiers instants gameplay, c'est parti, let's go. Alors je pense qu'il y a des gardes, il va falloir passer sur les hauteurs, à mon avis. On va voir si j'ai raison. Alors c'est parti, tac. Alors c'est pas suffisant. Alors, est-ce que je peux, admettons, faire ça? Et mettre une troisième comme ça. Ouais, ça fait une sorte d'escalier. Pas mal. Ah, on va pouvoir apprendre un nouvel objet avec X. Alors, on va descendre. Vous avez mémorisé l'écho de la caisse en bois. Ça marche. Tu peux voir tous les échos que tu as mémorisés en maintenant flèche droite appuyée. Tu peux en choisir un avec R et lâcher pour le définir comme écho à reproduire. Ok, on maintient en fait, on a les différents objets, on a la table, on a la caisse en bois. Et si je relâche, normalement, ça le met en prio. Ok.
Effectivement, ça peut être bien pour... Non, personne. Tu t'es gouré, y'a personne. Allez, file dans ta chambre. J'ai failli me faire capter là par les gardes. C'est rien que t'ailles ailleurs là. Alors du coup là où je suis embêté, c'est qu'ils sont bien équilibrés pour faire le tour de garde. Ouais, on est pas mal. On est pas mal du tout. Même ce que je vais faire, carrément les bloquer en fait. Allez, salut. En fait, le gameplay est vraiment sympa, quoi. Vraiment stylé ce qu'ils ont fait. Donc, ouais, ça change de ce qu'on a pu connaître. Mais ça reste vraiment cool. Alors, est-ce que je peux créer les caisses et les pousser? Ah, ça fait disparaître. D'accord. Tiens, ça me rappelle que l'autre jour, j'ai cassé un pot. Quand le général Dex a entendu ça, il est arrivé en courant. D'accord. Oui, il a dû te passer un sacré savon. Même pas. J'ai paniqué, j'ai jeté un autre pot plus loin. Résultat, le général est parti dans la direction du bruit. Il a même pas vu. Le général Dex n'est pas toujours très futé. D'accord, donc apparemment, on peut casser des caisses. Je pense que ça peut aider. Bon, il ne me voyait pas. là, effectivement, il y a des pots là-bas. Je pense qu'on peut monter à l'échelle. On va essayer de passer sur les tonneaux. On va le mémoriser, tiens. Ah ouais, tous les objets qu'on va pouvoir mémoriser, je pense que ça va donner un très bon développement sur ce gameplay, une très bonne mécanique. Ça risque d'être cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du fait qu'on peut créer des objets régulièrement. Je pense que ça change carrément des Zelda qu'on a pu connaître, hein, mais c'est sympa en même temps. Ok. Effectivement, on peut casser les pots. Alors, on va faire disparaître le garde. Alors, si on prenait un pot. Donc, la prise en main est vraiment très très simple, rien de compliqué. Vraiment très facile, hein, si vous attaquez ceux de Legend of Zelda et Echo of Wisdom, hein, vraiment très très simple à prendre en main. Puis même au niveau de l'histoire, on est direct dans le bain, c'est ça qui est magique. Hein. C'est ça qui est vraiment magique, hein, donc non. Pour le moment, j'ai rien à redire sur le jeu, il est superbe. Votre Altesse, les déesses soient louées, vous êtes saine et sauve. Rassurez-moi, vous n'êtes pas blessé. Mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Sa Majesté? Qui pourrait croire que vous avez ouvert cette faille? C'est parfaitement ridicule. Quoi? Le roi, le général et la ministre sont tous des imposteurs? Mais vous avez reçu l'aide du seigneur Tri et de son sceptre, ma foi. Voilà au moins une bonne nouvelle. Tu maîtrises bien le pouvoir du sceptre Zelda. Votre Altesse, oui, le seigneur Tri. En ce moment, je ne le vois pas. N'est-il pas avec vous? Apparemment, il ne voit pas Tri, d'accord. Je crois que personne d'autre que toi ne peut me voir, Zelda. Le monde est décidément plein de mystères. En tout cas, quoi qu'il arrive, je serai toujours de votre côté, votre Altesse. Et puisque Sa Majesté envisage de vous faire exécuter, vous devez fuir le château au plus vite. Je pense que c'est ce qu'on va faire, qu'on ne se fasse pas couper la tête, ce serait dommage. La tenue que vous portez risque d'attirer l'attention. Je vous ai apporté de quoi vous changer. Votre Altesse, que vois-je dépasser de votre poche? Je vois. C'est la capuche que portait l'épéiste qui est venue à votre secours. Elle semble être à votre taille. Vous allez
pouvoir vous en servir pour dissimuler votre visage. Ok, hâtez-vous avant que quelqu'un n'arrive. Ok, on va mettre la capuche. Ok. Vous avez obtenu la tenue incognito. J'adore le nom, la tenue incognito. On la reconnaît quand même. Hein. En plus d'être un bon déguisement, elle n'entrave pas les mouvements. Il s'en dégage une odeur de vieille armoire. Link, faudra que tu laves ton linge sale des fois. Ce serait sympa. Appuyez sur R pour faire un rapide tour sur vous-même. D'accord, on va tester ça. Très bien, maintenant vous devriez pouvoir vous déplacer plus aisément. Oh, son Altesse a disparu, retrouvez-la. On dirait que nous avons de la compagnie. Laissez-moi m'en charger. Dame Impa, qui est avec vous? Est-ce que ce serait son Altesse? Si c'est bien elle, il vous faut nous la remettre sur le champ. Vous la remettre? J'ai bien peur de ne pas pouvoir accéder à votre requête. Wouah, déconne pas, Impa. Oh lolo. Ah ouais. Impa en mode kung-fu, les amis. Oh, ça rigole pas. Votre Altesse, prenez ceci. Vous avez obtenu un journal. C'est un carnet qu'Impa vous a remis, une carte est glissée entre ses pages. Ok, c'est bien, on va pouvoir accéder à la map. Ça a l'air assez grand quand même. Même bien plus grand que la map qu'on a connue sur Link's Awakening, hein, en mode 2D. Donc, à voir ce que ça donne, on va regarder un peu plus en détail. Alors, rendez-vous à la maison marquée d'un point jaune. Dites que vous venez de ma part et l'on vous viendra en aide. Ok. Là-bas! Continuez tout droit et vous trouverez un passage qui vous conduira hors du château. Fuyez par là. Votre Altesse, nous nous reverrons plus tard. Donc en tout cas, de là, on a commencé pas mal de minutes sur ce gameplay. C'est vraiment très sympa. Et là, on est sur les quêtes principales, les mystérieuses failles. Ok. Donc il y a encore de la surbrillance, on va pouvoir apprendre un nouvel objet. Qui s'intitule, vous avez mémorisé... l'écho de la plante décorative. D'accord. Alors, je me pose la question, est-ce qu'ils auraient mis un petit mode sur ce Zelda Echo of Wisdom où on pourra créer, je sais pas, une petite déco, une maison perso pour Zelda, j'en sais rien. En tout cas, pour un début de jeu, on a déjà quand même pas mal de mécaniques, je trouve. On pourra même créer des objets, des arbres pour pouvoir effectivement traverser. Alors, est-ce que je peux créer un objet d'ici? Ah alors attendez, on va reprendre le bon objet. Effectivement, ça fonctionne très bien. Un petit saut. Ah, est-ce que je descends ou je continue? Ah, je vais peut-être continuer parce qu'il y a un lit. Ah, Eh ben, on va prendre le lit. Vous avez mémorisé l'écho du vieux lit. Ouais, effectivement, vieux lit, parce que tu vois qu'il est cousu de partout, le bordel. se reposer. Apparemment, on peut se reposer. Ah ouais? C'est-à-dire, si je me repose, je récupère tous mes cœurs? Ah, ça, c'est pas mal. Ce serait comme si on avait de l'auto-soin, quoi. Allez, on va faire disparaître tout ça. Est-ce que si je superpose le lit comme ça... ça tient. Ok, ça marche. Alors, c'est bien, c'est que dans l'idée, en fait, de ce Zelda Echo of Wisdom, tout nous paraît logique, en fait. Il y a une logique qui est directe. Et ça, c'est plutôt cool. On n'est pas perdu. C'est vrai que ça peut faire un peu peur du fait qu'on a de la création, du oh là là, sur quoi on s'engage. Mais comme vous pouvez le voir, ça se fait vraiment très facilement. Donc, pour ceux qui testeront le jeu, bah, n'hésitez pas à me dire... en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de cette mécanique? Faut vraiment très très cool. Là, on va pouvoir descendre. Faire une pirouette. Ok, si on fait des pirouettes, effectivement, c'est comme si on était en mode débroussailleuse. Et c'est très très fluide. Hein. Vraiment très très fluide. Alors, j'ai vu qu'on avait accès à un puits, là. On va pouvoir y aller.
Ah, ils ont remis un peu ce mode-là. Ah, attention, on a une petite jauge. Donc pour nager, rien de compliqué, il y a juste à utiliser le stick directionnel, donc rien de complexe. On va mettre le lit, je pense que ça va être suffisant. Ok. Ah, nouvel objet à prendre. Vous avez mémorisé l'écho du rocher. Ça va très très vite au niveau de l'apprentissage des échos, hein, comme vous pouvez le voir. On a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 objets en quelques minutes. Ok. Alors là, je pense qu'on va prendre les caisses pour pouvoir traverser. On va tester ça. Alors, si je fais une caisse comme ça, ça marche. Une troisième. Impeccable. Alors là, à mon avis, dans l'idée, c'est mettre une pierre. Je pense que ça va faire couler tout ça. Ouais, vraiment, tout est accessible. Il n'y a rien de complexe. Hein. Franchement, génial. Là, pour le moment, je suis ravi pour ce The Legend of Zelda Echo of Wisdom. Merci Nintendo. Hein. Ce 2, pour la même pas la première heure qu'on fait de gameplay. Je trouve ça déjà grandiose. Allez, on continue. Oula. La fumée partout. Fumée violet. Encore ? Va falloir tracer ? Qu'est-ce qu'on fait ? Une autre faille. Parfois des failles s'ouvrent et engloutissent des choses et des gens, ce n'est pas nouveau. Notre travail à mes camarades et moi consiste à les refermer. Mais mes pouvoirs ne sont pas suffisants pour refermer une faille aussi grande. Éloignons-nous pour le moment. Donc apparemment, Tri aurait le pouvoir, effectivement, de refermer ses failles. La lave va devoir cavaler, les amis. Cavalons, cavalons. Je saute, j'ai pas le choix. On peut plonger si besoin, j'ai cru voir avec... Ah, ah. Alors là, je contrôle pas, les amis. Là, je contrôle pas. Je suis pris par le courant. Alors, où est-ce que ça va nous emmener, tout ça? Un petit temps de chargement, c'est le suspense. Ok, on atterrit ici. D'accord. Zelda se fait malmener quand même. Hein. Ah, tu es réveillé, allons-y. Les mystérieuses failles. Donc, quête à jour, on peut y accéder via le journal en appuyant sur « moins ». Ah oui, on est carrément parti. Je crois que le château était là, on était là à la base. Hein. Et là, on est atterri carrément au sud, comme vous pouvez le voir. Mais la map a l'air vraiment assez grande, mine de rien. De ce que je vois, ça a l'air d'être prédécoupé, je dirais, en différentes zones, comme vous pouvez le voir. Il y a différentes zones qui sont prédécoupées. Donc ça va être intéressant, on va pouvoir voir différents lieux. Là, j'ai une sorte de... On dirait un 4, je sais pas c'est quoi ça. C'est bizarre. Là, je vois un volcan. Au niveau de du dessin, là, on aurait une sorte de montagne avec une cascade, d'accord. Là, il y aurait peut-être un village, ok. La map est vraiment très, très, très sympa. Un peu à l'ancienne, un peu en mode vieux papier. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, c'est le journal d'aventure, les mystérieuses failles. C'est là où on doit se rendre. Après avoir été emporté par un cours d'eau souterrain... Vous vous êtes réveillé dans une petite grotte. Rendez-vous à l'endroit indiqué par un point jaune sur votre carte. Ok. Apparemment, je dois rapprendre cet objet. C'est pas la même chose qu'on a appris déjà. Vous avez mémorisé l'écho de la pierre. Ok. Alors, y aura-t-il une différence entre ce que j'ai appris? Oui, là, c'est un rocher, donc ça a l'air beaucoup plus grand que la pierre. D'accord. Ok. On peut apprendre la pierre. Alors, apparemment on a un petit point lumineux en bas, on va aller par ici. Ok, allons-y, on va continuer sur ce gameplay découverte. Je pense qu'il y a des choses qui vont être encore intéressantes. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment vous êtes chaud, si vraiment vous kiffez. C'est vrai que j'ai arrêté depuis un moment les let's play. Si vraiment vous souhaitez que je vous fasse le let's play et le jeu dans son intégralité, dites-le moi en commentaire.
Si je vois vraiment j'ai beaucoup de retours, bah pourquoi pas. Je ferai bien le let's play, puis on fera ça sur des épisodes, sur des petites heures de gameplay quotidiennement, pourquoi pas. Alors, où sommes-nous? On peut peut-être le savoir en regardant ce que t'a donné cette dame tout à l'heure. Appuyez sur moins pour ouvrir la carte, indique l'endroit où vous vous trouvez actuellement. On a déjà regardé juste avant. Ok. On a des caisses. On a des rochers. Ah, les premiers monsters. Ah, un monstre. Alors si je fais l'attaque avec R, ça suffira. Et il t'a remarqué. Zelda, tu sais te battre contre les monstres? Alors j'ai ma baguette. Bon, je pense qu'on va y balancer le rocher, hein, tout simplement. Ah, on peut même apprendre à... Oh! Non, c'est vrai? Mémoriser? Vous avez mémorisé l'écho du Zol. Ok, donc c'est-à-dire on peut invoquer des monstres? Ouah, c'est trop bien, ça! Est-ce que tu as mémorisé le monstre? La miniature scintillante que les monstres laissent derrière eux, une fois vaincus, te permet de les mémoriser comme tu viens de le faire. En appuyant sur Y, vous pouvez reproduire les monstres que vous avez mémorisés. Avec ZR, les monstres reproduits attaquent en priorité les cibles verrouillées avec ZL. Et bon, on va tester ça. Ok. Alors, si je l'invoque. Ok. Non. Et en gros, si je le fixe, il attaque automatiquement. Ok. Donc on crée et ça fait de l'attaque automatique. Alors pareil, petit aperçu en bas à droite, on a l'affichage de la mini-carte. Et puis on est sur l'instantané de là où on se déplace. Donc c'est pas mal, ça permet vraiment de bien nous situer. Et du coup, si j'en invoque 3... Allez les gars. Ils sont un peu lents quand même. Mais si je me mets derrière eux, en fait, ça fait barrage. Allez, on recrée. Ok, vraiment sympa. Vraiment, vraiment très très sympa ce qu'ils ont fait. Ah, je vois un premier coffre. Alors, première petite énigme avec des objets à mon avis. On va essayer d'y accéder. Bon, on va mettre carrément le plumard, tiens. Allez. Et là, je pense qu'on va partir sur une petite table, ça devrait être suffisant. Ah, peut-être pas. Ou peut-être que si je fais ça. Donc apparemment, au niveau des créations d'objets, c'est jusqu'à 3 maximum. Après, ça disparaît. Et apparemment, il met en surveillance l'objet qui va disparaître. Hein. Ok. Vous avez obtenu 20 rubis, ça fait plaisir. Tu m'étonnes. Eh ben, c'est pas mal du tout ça. Ah, j'ai raté mon coup. Si j'en suis une pierre, est-ce que ça fonctionnerait sur eux? Et on peut le mémoriser. Super. Vous avez mémorisé l'écho de l'oursin. Super. Alors, si je l'utilise, par exemple, il se jette dessus. Est-ce que ça le détruit? Ouais, effectivement. Regardez les alentours. Ok. Là, je vois qu'il y a un pont qui est cassé. On a de l'eau, ok. On peut peut-être monter là, sur la gauche. Ou peut-être pas, je sais pas. Alors, on peut nager aussi. Ça, c'est pas mal. Oh! On récupère 5 rubis. Pas mal du tout. Donc, on peut nager sous l'eau, on peut remonter sans problème. Est-ce que... Voilà, je peux faire ça. Alors là, je pense que si je mets des caisses, dans la logique, on pourra récupérer notre premier quart de cœur. On va essayer. Et on peut se faire un pont à l'infini, en fait. Oh là là, j'adore cette mécanique de gameplay. J'avais un peu peur, effectivement, quand on le regardait avant l'annonce de la sortie de ce Zelda. Et en fait, de l'avoir en main... En fait, c'est hyper simplifié et c'est hyper original aussi. C'est très original, c'est très très bien. On a l'habitude de jouer à l'épée avec Link et là, non, c'est un gameplay à la fois différent, mais on n'est pas dépaysé.
Ils sont trop forts, Nintendo. Nintendo, vous êtes trop forts, je vous adore. Ok, on continue. Donc, premier quart de cœur récupéré. Et vraiment, on peut faire créer comme on le souhaite. Vraiment génial. Il y a des rubis dans l'eau aussi qu'on peut récupérer, ok. Bah allons-y, tiens, récupérons. Alors là, je serais vraiment au bout de la map. Récupérons tout ce qu'on peut récupérer, ok. Allez, respire un peu Zelda, t'en as besoin. On remonte. Là, ce qui pourrait être intéressant, c'est mettre une table, à mon avis. Là, je pense que c'est intéressant, c'est partir sur les lits. Ouais, c'est vraiment... faut tout deviner, mais ça se fait très facilement. Franchement, génial. Alors, on a une sorte d'échelle, tiens. Là, on peut créer des pierres. Ouais, ils ont fait fort quand même, Nintendo. Je m'attendais pas que ce soit aussi, aussi bien réussi. Franchement, vraiment pas mal du tout. Et moi, je vous propose qu'on fasse encore un peu de bonus, encore quelques minutes sur ce gameplay. Allons-y. J'essaie de rester toujours sur les formats d'une heure, mais c'est tentant de continuer quand même. Il faudra que j'annonce aussi... Alors lui, comment je vais pouvoir le battre? Bon, il lance un pot. Hein. Voilà, hein, tout simplement. Oh, on peut le mémoriser. Génial. Vous avez mémorisé l'écho de la chauve-souris. Ok. Donc vraiment, on apprend plein de choses. Là, c'est excellent. On a des caisses. Alors, comment je pourrais casser ça? Et si je mets une grosse pierre? Ou si je mets un oursin, peut-être? Non, je pense pas que ça marchera. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre la grosse pierre, j'avais dit. Tentons la grosse pierre, voir ce que ça donne. Ah, j'ai trouvé. Ce qu'on va faire, on va la faire disparaître. Alors, on va repartir sur une table. Alors, une première petite énigme qui est bien sympathique à faire. On va essayer de l'élucider. Je pense que si je mets... le lit comme ceci, ça pourrait marcher. Ok. Ah, ça va pas aller. En fait, je me prends la tête. On peut tout simplement faire comme ça et faire tout simplement ça. Je crois qu'on est pas mal. Et voilà comment récupérer un deuxième quart de cœur. Donc ça vous donne un peu d'astuces hein, si jamais vous souhaitez faire le jeu au complet. Voir un peu comment ça peut se passer au niveau des énigmes, au niveau de la mécanique du jeu. Donc, vraiment pas mal du tout. Allez, on va tester un peu les chauves-souris, voir si ça attaque un peu. Et en cible. Non. Ouais, génial. J'ai mes gardes du corps là, impeccable. Ça c'est cool. Alors je sais pas si plus tard on pourra augmenter le nombre de d'objets ou des créatures qu'on pouvait créer, parce que là on est bloqué à 3. Je sais pas si on aura la possibilité d'en créer plus. Tiens, je vois qu'on peut aller sur le côté là. Ok, on va récupérer ça. Impeccable. Vous obtenez 50 rubis. Ok. Donc vraiment, il y a de quoi faire hein, sur ce Zelda Echo of Wisdom. Ça fait plaisir. Alors on est bien entendu sur un gameplay découverte, le but c'est pas non plus trop spoiler pour vous voyez l'ensemble du jeu. Déjà on a vu pas mal de mécaniques hein, sur ce Zelda
Echo of Wisdom. Donc très bonne mécanique, on est vraiment sur de la création. Mais vraiment très très original et très facile à prendre en main. Donc j'attends vraiment vos retours en commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. On va s'arrêter là pour ce gameplay découverte qui est pour moi qui était vraiment royal, une très très bonne découverte, une très bonne surprise. Le scénario est à la fois aussi cool. Et avant de se quitter, bah, on va annoncer l'heureux gagnant pour le jeu Nintendo Switch. Hein. J'avais créé un jeu concours sur Instagram pour que quelqu'un puisse le gagner. Donc le jeu Nintendo Switch The Legend of Zelda Echo of Wisdom. Et c'est notre ami Rico qui a gagné le jeu. Donc je vais faire l'annonce effectivement sur Instagram hein, où tu recevras le jeu. C'est offert, c'est cadeau. Et j'espère que tu vas kiffer tout autant que moi. Puis je n'hésite pas à mettre les retours en commentaire ou si vous restez discrètement, il n'y a pas de souci. Je respecte, il n'y a pas de problème. Donc j'ai encore des surprises hein, sur ce The Legend of Zelda Echo of Wisdom. Ce que j'ai prévu, j'ai fait l'achat effectivement de la Nintendo Switch Lite. Donc il y aura un unboxing qui arrivera certainement, peut-être forcément, peut-être dans la journée ou dans les prochains jours. Et je vous ferai un unboxing de la console pour voir un peu ce qu'ils nous ont présenté sur cette console collector que j'ai hâte de vous présenter. Donc pareil, si vous souhaitez vraiment un let's play sur ce jeu, bah poussez à fond sur les commentaires et mettez les pouces bleus hein, si vraiment vous voulez que je vous fasse l'intégrale de ce jeu, il y a pas de souci. Ou sinon après restez sur des formats gameplay découverte, c'est aussi sympa, ça permet de voir un aperçu du jeu et puis de les découvrir de votre côté bien entendu. Donc c'était un réel plaisir de vous présenter ce jeu, moi c'était vraiment une très bonne expérience, j'ai énormément kiffé. Et puis bah je vous dis tout simplement à très bientôt pour des futures vidéos sur des ouvertures de booster Pokémon, du gameplay bien entendu sur les jeux vidéo de chez Nintendo ou Sony. Donc c'était un réel plaisir. Je vous dis à très vite. Salut tout le monde.